tard. Yeah. 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 On peut dire que tu m'as bien baladé. Qu'est-ce que tu me veux ? Te poser quelques questions. Pourquoi tu t'es enfui comme ça ? Où sont tes acolytes ? Et pourquoi as-tu tué ce bandit ? Comment ? Bon, une chose à la fois. Pourquoi t'être empressé de te sauver ? Parce que j'avais peur qu'ils reviennent me tuer. Qui ? Les bandits, bien entendu. Pour se venger du meurtre de leur compagnon ? Un meurtre ? Moi ? Je n'ai jamais tué personne. Dieu m'en est témoin. Et maintenant, dis-moi comment tout ça s'est passé, sans rien omettre, surtout. C'est une longue histoire. Ne t'en fais pas, je ne risque pas de m'ennuyer. D'accord. Je me suis réveillé en plein milieu de la nuit pour aller me soulager. Donc, je suis sorti dans le noir, comme d'habitude, sauf que quelque chose clochait, quelque chose qui n'avait rien à faire là. J'ai d'abord cru à un effet de lumière, mais non. Et il était déjà trop tard. Ils sont passés devant moi et je me suis dit que ça devait être des voleurs de chevaux. J'aurais dû crier, mais j'ai eu peur de me faire tuer. J'ai attendu qu'ils s'éloignent pour m'enfuir, mais... Mais c'est là que le massacre a commencé. Oui. Pour moi... Ils allaient voler les chevaux et s'en aller. C'était déjà bien assez grave, mais... Ensuite, la tuerie a commencé. Il y avait des flammes partout et... C'était horrible. L'enfer sur Terre. Et puis ? Apparemment, il y a eu des dissensions dans le groupe. Ça a commencé à se disputer et une partie d'entre eux a fait demi-tour. En plein dans ma direction. Or, il se trouve que j'avais ce truc dans la main. Le grattoir à sabots. Donc tu as poignardé le premier venu ? Non, non. Il est arrivé droit sur moi. Il courait vite pour un type qui boite. Il m'a poussé et je suis tombé. Il m'a dit que j'avais intérêt à faire profil bas si je tenais à ma vie. Et il est parti avec les autres. J'ai fait ce qu'il m'a dit en me cachant. Puis le reste de la bande est passé devant moi. Et puis ? J'ai patienté au cas où le boiteux d'Uzis reviendrait. J'ai pas osé sortir de là tant que j'étais pas sûr. Il faisait déjà presque jour, je crois. Tu sais quel était le sujet de la dispute ? Je n'ai pas tout entendu, mais je crois que certains étaient venus dans le but de voler et ne voulaient pas tuer. Et les autres ? Rien n'a attiré ton attention ? Voyons, il devait être... 8, je dirais. Il y en avait 2 qui étaient carrément imposants. C'est tout ce dont je me souviens. C'est atroce. Je sais très bien ce que tu ressens. Si seulement j'avais crié, peut-être qu'il... Si tu l'avais fait, tu serais sûrement mort à l'heure qu'il est. Et ça n'aurait strictement rien changé. Mais n'empêche. Il n'y avait rien à faire. Ça me suffit. J'ai appris tout ce dont j'avais besoin. Je vais te laisser tranquille. Attends, et moi ? Tu ne vas pas m'aider ? Dans la mesure du possible. Qu'est-ce que tu veux ? J'aimerais retourner au Hara, mais ces types qui désirent me voir mort sont toujours dans les parages. Tu veux bien m'aider ? Je les ai croisés sur mon chemin et je les ai écartés. Vraiment ?
C'est formidable, mais... Quoi ? J'ai peur de retourner au Hara. Vu que je me suis enfui, Dieu sait ce qu'ils vont penser. Si ça se trouve, plus personne ne voudra me parler. Tente ta chance, tu verras s'ils te repoussent ou non. Mais si tu leur expliques, ils comprendront sûrement. Tu as sans doute raison. Merci pour ton aide et que Dieu te protège. Tiens, tiens, regardez qui ose nous honorer de sa présence. J'étais à la recherche de ce garçon et... Et tu n'as pas pris la peine d'en avertir qui que ce soit. Il fallait que je remonte la piste avant qu'elle ne refroidisse. Et si des bandits t'avaient embroché et laissé pour mort, jamais on ne t'aurait retrouvé parce que tu n'as dit à personne où tu étais parti. Et moi, comment j'explique ça au seigneur Radzig, hein? Je n'en sais absolument rien, mon seigneur. Il a disparu sans prévenir quiconque. Jamais il ne me serait venu à l'esprit qu'il voulait se faire tuer. Silence, espèce d'ignorant. Quand un vétéran t'éclaire de sa sagesse, tu la boucles. Tu vas faire ce que je te dis, répondre uniquement quand je t'y autorise et arrêter d'aller et venir à ta guise. J'aimerais tellement t'expédier au château et ne plus entendre parler de toi. Mais tu es un paysan qui ne connaît rien au métier de soldat et mon travail consiste à te faire suer. Alors, je n'en ai pas encore fini avec toi. Que Dieu ait pitié de toi si jamais tu oses refaire une chose pareille.
Dans le meilleur des cas, tu finiras au fer après avoir goûté au fouet. Et si on me laisse faire, tu seras pendu pour désertion. J'espère que j'ai été assez clair et que je n'aurai pas à me répéter. Maintenant, voyons ce que tu as à déclarer. Vous n'auriez pas du travail pour moi, capitaine ? Tout dépend de ce que tu es prêt à faire, gamin. Comme tu l'as déjà sans doute remarqué, les routes de la région fourmillent de brigands. Le seigneur Anouche a promis une grosse récompense à quiconque réglera ce problème. Et selon vous, qu'est-ce que je devrais faire ? Nous connaissons l'emplacement de l'un de leurs campements. Il se trouve dans une mine abandonnée à l'est de Raté. Je me moque de ce que tu comptes leur faire. Leur chef porte habituellement des éperons, peut-être pour se faire passer pour des gens de la noblesse. Peu importe. Quoi qu'il en soit, rapporte-moi leurs éperons pour me prouver que tu es passé à l'acte. Très bien, je m'en charge. Un instant. Le seigneur Anouche offre en plus une prime pour chaque bandit tué. Alors emporte une bonne dague bien aiguisée. Tu obtiendras un petit supplément pour chaque oreille rapportée. Fort bien, ça a l'air amusant. Eh bien, à ta place, je m'amuserai à être extrêmement prudent, gamin. Bonne journée à vous. Pourriez-vous m'apprendre à mieux me défendre au combat ? Bien sûr. J'aimerais apprendre les bases. D'accord, mais il vous faudra débourser. Maintenant, soyez attentifs. Que Dieu vous accompagne. Je me suis entretenu avec Rouquin et il m'a tout raconté. Eh bien, parle. Rouquin a fui parce qu'il a reconnu l'un des assaillants. Il redoutait qu'il ne revienne le faire taire. Bien lui en a pris. Ils étaient à sa recherche. Alors, qui a-t-il reconnu ? Il ignore son nom. Il sait que c'est un type d'Uzis qui boite. D'accord. Puisque tu as poussé aussi loin ton enquête, autant continuer à Uzis. Et puis, nous avons assez de travail comme ça. Le seigneur Hadzik t'en dira plus. Il m'a demandé de t'envoyer le voir, si ce n'est pas déjà fait. Bonne chance à vous. Yeah. Bonjour. Quelle affaire vous amène ? Monseigneur, j'ai trouvé un indice sur le lieu où se terrent les bandits. Magnifique. Bernard m'a déjà avisé des événements, mais je ne demande qu'à l'entendre directement à la source. Toute l'histoire ou les grandes lignes, Monseigneur ? C'est à toi de déterminer ce qui est important. J'ai fini par retrouver le palefrenier qui avait fui. Et il avait de bonnes raisons de le faire. Il m'a mis sur la piste d'un petit fermier d'Uzis, un boiteux. Comment s'appelle-t-il ? Le garçon ne le connaît pas de nom, seulement de vue. Si je cherche un boiteux qui a de mauvaises fréquentations, les villageois sauront de qui je parle. Les paysans aiment les ragots. Et s'il n'est pas là ? Il a pu s'enfuir, peut-être même à Kuttenberg. Si je ne le trouve pas à Uzis, je poserai des questions. Il y aura bien quelqu'un pour le connaître. Parfait. Prends la direction d'Uzis. Trouve-moi ce bandit boiteux et soutire-lui le nom de ses acolytes. Ils doivent être présentés à la justice pour leurs crimes. Je veux les voir pendus. Amène-le-moi à Meroyed et je déciderai de son sort. Fort bien, Monseigneur. Pourquoi avoir choisi Meroyed ? C'est un peu au centre de tout, non ? Et en plus, il y a un autre hara sur place. Monseigneur, vous pensez qu'ils vont retenter leur chance ? Ça m'étonnerait. Désormais, tout le monde sera sur ses gardes. Ce sont les habitations isolées les plus vulnérables. Peu de gens y vivent, elles sont éparpillées et nous ne pouvons pas toutes les protéger. Mais les bandits n'y trouveront pas beaucoup d'argent. Bon, il y a toujours un gros chêne ou deux, de la nourriture. Et puis combien d'argent ont-ils obtenu en massacrant les chevaux ? C'est vrai. En les volant, ils auraient pu les revendre. C'était des bêtes de race. Exactement. Ils n'en ont pas après l'argent. Ils veulent autre chose. Mais quoi ?
engendrer la terreur. Une angoisse si grande qu'on ne gênera pas quand ils viendront nous égorger, qu'on ne prendra pas la peine de lever notre main sur eux. Une peur qui tétanise comme le lapin devant l'hermine, impuissant face à la mort. Une peur qui saisit de l'intérieur, dans l'attente du glas. Monseigneur, j'ai des nouvelles concernant l'enquête. Bien, dis-moi tout. La piste mène à Usis. Je vois. C'est tout ce que j'ai appris. Bien, jeune homme. Bonne chance à vous. Gah! Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de l'épisode. J'ai dû faire une pause. Pas de temps. Et faut que je boive mon schnapps. Je suis en train de me demander si précédemment, donc il y a une minute pour vous, j'ai pas déjà bu un schnapps du sauveur. Je crois que je connais le campement de ces bandits. Ah, il est là-bas. Il y a du monde. Bah vas-y. Non, je n'ai pas été cramé. Bon, au moins. Ah lol. C'était le chef du campement. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Allez, une grotte. J'ai des flèches. C'est tout ce que tu sais faire. C'est...
J'ai rejoint les bois de Ratay. Oh, j'ai loupé la tête à rien là. Ah si, j'ai été très blessé. Donc j'en ai eu deux, dont le chef des bandits. Ah, c'était de l'autre côté. Merdique. J'ai besoin d'une bonne baston pour me remonter le moral. Que se passe-t-il ? Rien. Personne. Personne ne va là et il ne se passe rien. Bah, sacrée grotte. Voilà leur butin. Ah, flûte. Il y en a au moins deux. Est-ce que comme moi, vous avez entendu une flèche siffler jusqu'à moi? What, c'est quoi ça? Mais il y en a vraiment un qui me suit. Ah oui. Avant d'aller voir les autres, on va tenter de s'occuper du premier. Ah. Pas que j'oublie que j'ai des os en papier mâché. What? Hey, qui va là? Oh lol, il m'a perdu de vue. Qu'est-ce que c'était que ça? Aucune idée. Ah, dommage. Voilà, et d'une, et deux, et manqué, et deux, j'ai plus de flèches, je crois. Il reste une. Oh, la flèche qui m'a sauvé. T'en vas pas, petit bandit. Il y a des gants en cuir qui valent beaucoup. Voilà. Ah mince.
Le corps de... Oh, elle est mieux que celle que j'avais. Voilà. Le corps du... Du chef a disparu. Parce qu'au bout d'un moment, les corps disparaissent. Donc... De quoi? C'est mon épée qui demande trop? Ouais, mais bon. Il fait quand même plus de dégâts. Du coup, les éperons du chef du Bordi se sont retrouvés chez dans un coffre à Ratek et fait exprès. Il y a un accident. Oh non. M'embête pas toi. Ah, c'est un archer. Non, viens tout seul. Voilà, tiens-moi dessus. Hop, manqué. Ah, mais j'ai plus de flèches, moi. Abrégeons ses souffrances. Ah, des flèches. Ah, il y a un collier de mailles. Je pense qu'on est bon. On va revoir une potion. Pour remonter la santé plus vite, parce que les bandits en ont plein, alors autant en profiter. J'ai encore le point rouge qui me dit récupérer les éperons du bandit là alors qu'ils y sont plus. Oh, 18 gros chênes, c'est bon. Très difficile. Non, non, on oublie, très difficile. Bon, voilà, les bandits ont été tous éliminés. Un à un, à commencer par le chef. Le chef, je ne retrouverai pas son corps. Mais je retrouverai son corps à Ratay. Donc il me reste plus qu'à aller à Ratay, au moins pour ça. Pour le reste, on verra. Alors je suis pas très riche pour l'instant. Donc on va demander un financement de la part de tous les gens qu'on croise. Yeah.
Il me rapporte pas autant que les bandits, les voyageurs. Bah, il vaut mieux pas se promener avec une bourse pleine. Alors qu'il y a des bandits dans le coin, c'est vrai. Des bandits ou des coumans, même moi. Enfin ouais, si les bandits et les coumans, moi ils cherchent à me tuer généralement. S'il y a des bandits, je crois qu'ils... Si on se rend, on peut juste leur céder notre argent. Ils veulent bien nous laisser la vie si on leur donne notre bourse. C'est bon, on est au trot maintenant. Je vais demander une chambre à l'aubergiste. Ou pas. Ou pas pour l'instant en fait. Je vais pas me casser les pieds. On peut acheter une chambre définitivement. Ça permet d'avoir un lit ici et un coffre. On fera ça une autre fois. Puisque là je veux vendre mes trucs en trop au... Ah, je sais pas qui d'ailleurs. Ah! Je suis arrivé en même temps que lui. Ou moi je suis arrivé à cheval. Alors... Monsieur le héros. Je voudrais prendre part au grand tournoi. Vous allez devoir attendre quelques jours encore. Que le seigneur Anouche en annonce à nouveau. Revenez à ce moment-là et je me ferai un plaisir de vous inscrire. Bon, tant pis. Il y en a un autre qui est par là et qui est déclencheur de... Il va être de l'autre côté. Là, il y a le chasseur pour lequel j'ai une mission à déclencher. C'est un mendiant qui a une mission pour moi? On dirait. Ah, ça doit être Alex. Ouais. Salut Alex. Je vous accompagne. Comment vous vous en sortez? On fait de notre mieux, Henri. Tu peux t'estimer heureux que le seigneur Radzig t'ait pris sous son aile. J'ai même entendu dire que tu étais parti à la chasse avec le seigneur Capon. Je n'y suis allé qu'une seule fois. Et je ne crois pas que ça se reproduira si tôt. Ah, c'est dommage. Parce que j'allais te demander une faveur. Tu dois savoir qu'il y a de nombreux ventres affamés ici. Alors je me suis dit que tu pourrais peut-être nous filer un coup de main. Je ne sais pas trop. Je ne suis pas assez bon chasseur pour nourrir tous les réfugiés. Non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce sont les citadins d'ici qui demandent du gibier. Ils veulent vivre comme la noblesse, tu vois. J'ai reçu la visite de plusieurs bourgeois qui m'ont demandé pourquoi on n'allait pas tenter notre chance dans les bois. Ils nous ont promis des vivres en échange. De la farine, du lard, des œufs et tout. Mais nous, on ne peut pas prendre le risque de braconner. C'est tout juste si on tolère notre présence ici. Si l'un de nous se fait prendre dans les bois, il sera pendu haut et court. Et toi, tu es dans la garnison du seigneur Radzig, et tu pars chasser avec le seigneur Capon. Tu pourrais nous aider. Ah bah pourquoi pas. Je m'en suis sorti impunément après m'être bagarré avec le seigneur Capon. Alors j'imagine qu'ils ne vont pas me pendre pour quelques lièvres. Formidable, Henri. J'apprécie vraiment ton geste. Le tailleur local m'a demandé de lui obtenir des lièvres pour organiser un festin pour un marchand ambulant. D'accord, je vais t'apporter de quoi faire. Merci, tu nous épargneras la famine. Adieu. Montrez-moi ce que vous dissimulez. J'ai rien de volé, on est d'accord?
simple mesure de sécurité. Bah, très bien. Venez donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Tous ces objets sont du recel. Ah mince. Vous allez les abandonner ici même. Compris, mon petit gars. Maintenant, vous pouvez entrer. Bah, je voulais entrer nulle part, mais... Flûte, j'en avais sur mon cheval, en fait. Il est capable de fouiller mon cheval en parallèle. Bien le bonjour. Qu'y a-t-il pour votre service? Rien, je voulais juste savoir si vous aviez un truc spécial à me proposer. Ah! Non! Cheval, l'écrase pas! Désolé, Vincent. Je suis vraiment... vraiment désolé. Je peux me nettoyer sur Vincent. Ah non, il y a une auge là-bas, d'accord. Oh là 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 là. Ah, il y a un cheval que... Non, un kidam. Que je dois détrousser. Et il est à l'armurerie, ça se trouve, il dort. Ah. Je pensais qu'on pouvait entrer comme ça dans l'armurerie, mais non. Faut crocheter donc. À moins qu'il soit en bas. Peut-être qu'en bas il faut quand même crocheter. Ah non, pas là. Pas de Zera, il est là. Est-ce que... L'un de vous deux ne voudrait pas quitter la pièce. Non. Ah! Oh, flûte! Je me suis cogné à la petite bordure. Ah, il voulait une bague. Mon reseller. J'ai intérêt à aller à lui chercher la bague. Et après, je pourrais lui vendre tous mes objets. C'est une astuce d'ailleurs. Faites la mission de la bague si vous voulez pouvoir vendre tous vos objets volés. D'ailleurs, j'ai plus d'objets volés, mais tous vos objets de manière globale à ce monsieur. Je crois qu'il y a un chemin. Gagné. Je pense que c'est l'heure de s'arrêter pour cet épisode. Carrément. On continue la prochaine fois. Nous voilà chez le bourreau. Bonjour, monsieur le bourreau. La suite au prochain épisode.